C'est une ancienne ferme avec tout ce que ça comporte. On est dans une très très belle région ici, dans une région de tradition aussi. Et bon, on essaye de coller à ça, j'allais dire. On essaye de maintenir en place ce qui est en place. C'est une brasserie villageoise, donc c'est les villageois qui la font vivre. C'est des produits de qualité depuis toujours, on essaye de maintenir. On essaye de garder le plus haut niveau de qualité humaine, de vie et de produits. La priorité, c'est la qualité. Derrière ça, la tradition, bien sûr, puisqu'on est une des plus anciennes brasseries de Belgique qui a été fondée en 1858, on veut vraiment garder cette image et cet ancrage. Il faut savoir que la qualité ici à la Brasserie du Bock, c'est vraiment notre cheval de bataille. Et cœur du contrôle de la qualité, c'est le laboratoire. Alors on est ici au laboratoire, on effectue ici toute une série de contrôles, aussi bien sur les matières premières que sur les produits en cours de fabrication et que sur les produits finis. On analyse par exemple l'amertume, on analyse la couleur, le pH, la densité, l'alcool, toute une série de paramètres. On fait aussi des analyses microbiologiques. Ça nous permet d'avoir vraiment une garantie de la qualité, non seulement du processus de fabrication, mais aussi du produit fini, du produit qu'on va livrer aux consommateurs. On peut faire à peu près n'importe quelle bière spéciale ici parce qu'on a des recettes qui sont bien adaptées à ça. On a des brasseurs qui sont des gens de haute connaissance. Donc oui, on peut faire toute une diversité de produits, j'allais dire presque à la demande. Et alors bien sûr, à l'export, on est présent en Asie, nous sommes présents aux États-Unis, nous sommes présents en Russie. L'Amérique du Sud est aussi en plein développement. En Europe, on est pratiquement partout. La grande particularité que tout le monde peut reconnaître avec sa bouche et son nez, c'est qu'on a une odeur de bière particulière à nous, et ça tient à l'alvure. À l'alvure du Bock, on a travaillé ça depuis les 10 ans qui sont passés. On a resélectionné la souche qui était typique du goût brasserie du Bock. Alors on peut assimiler ce goût-là à différentes odeurs, mais c'est très typique à la brasserie. Nos bières sont toutes des bières traditionnelles belges. Alors traditionnelles, qu'est-ce que ça veut dire? On utilise uniquement des matières premières saines, des matières premières naturelles. C'est une refermentation en bouteille. Alors la particularité de la brasserie du Bock dans son véhicule, c'est que ce sont des opérateurs qui connaissent leur métier. Ça, c'est une chose très importante à la brasserie, c'est que les opérateurs savent ce que c'est que de faire de la bière. D'ailleurs, on ne devient pas opérateur de fabrication ou de soutirage du jour au lendemain. Ça prend des années avant de devenir. Les marchés export sont très intéressés par nos produits et ils cherchent surtout des produits de qualité, des produits authentiques. Pas des produits brassés chez eux, mais des bières vraiment avec un background derrière, avec une histoire derrière, et tout ça on peut leur offrir.